Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High Tech. Et aujourd'hui, on va parler de Samsung parce que là, je suis outré. Déjà, Samsung s'était moqué d'Apple lorsqu'ils avaient décidé d'enlever leur port jack à l'époque sur leur téléphone pour ensuite faire la même chose. Ils se sont également moqués d'Apple lorsque Apple a décidé d'enlever le chargeur plus les écouteurs dans leur boîte de téléphone pour ensuite faire la même chose. Donc là, on peut voir bah, c'est que Samsung s'était moqué d'Apple. Donc après moi je préfère Samsung que Apple, mais là je suis obligé de faire une vidéo pour ça parce que je suis vraiment outré, parce que Samsung a décidé également d'enlever ses chargeurs et ses écouteurs de leur boîtier. Donc on peut lire juste ici. Alors l'agence brésilienne qui certifie les produits a donné son feu vert pour le Galaxy S21. Les documentations nous apprennent que Samsung n'inclut ni chargeur ni écouteur dans le boîtier de ses Galaxy S21. Cela concerne bien le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra. Donc pour ceux qui veulent voir l'article plus en détail, je vous mettrai bien sûr dans le lien en bas de description de la vidéo. Mais là, je suis vraiment déçu de Samsung, même si je préfère Samsung à Apple, parce que là, parce que c'est bien beau de se marrer, de rigoler de son concurrent, mais si c'est pour que après dans 4, 5 mois, 6 mois, voire un an, même pas un an, 4, 5 mois, 6 mois, faire la même chose, c'est pas très très cohérent. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que Samsung va arrêter de se moquer de son concurrent, pardon, pour ensuite faire la même chose, parce que je comprends pas l'intérêt de se moquer de quelqu'un pour ensuite le copier, c'est pas très très logique. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité high-tech. À plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur l'épargne numérique. Après, vous êtes abonné, bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là, cliquez sur la playlist actualité high-tech. Donc pour l'instant, on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. À plus la team!